na zula kwa seita taki sulo kilo kilo imwana tata lunga na kyanga ni fumoto Yesu Kristo Mesia imwanda wa vilela tata dengenda mutima itata simoni kimangu kyanga ni mwanda ludi mtu lendo dezo patata iba mama unu kuna kantitika lumi ingu tanga vyoke ampanga mnakini mamumuna le 15 mungunda hei ya samba nu Nous voyons 2015. Visite tout le monde qui a été en Longo. Parce que vous avez vu le monde à vue. Il y a un peu de talent dans le site de Longo. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Nous avons eu un exode français. Nous avons eu un peu de Donc on est donc au sein de la communauté de Tadagimbangu. Ce soir, en ce qui concerne notre soirée spirituelle, nous allons partager dans le livre l'Exode, la sortie des enfants d'Israël, son chapitre 20, du premier verset au 17e. Et le texte de méditation, nous allons le tirer dans le livre d'Éphésiens, son dernier chapitre, c'est donc le 6, au verset 11 jusqu'au 13e verset. On peut en dire jusqu'au 14e. Si on est disposé, nous allons pouvoir partager cela au nom du trois saints glorieux, Papa qui est sur lequel le Père, Papa Dialogana, le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, Papa Dianguenda Kontima, en la personne de sa divinité, Tata Simon Kimon Kangan. Vous m'excuserez, mon document sacré est dans la langue de l'Éden, la langue de la création, donc Gikom, vous suivez avec moi, verset par verset. Donc là, je suis en premier. Nzambi wa vova, mambu mama mamo wata. Mono iya ave nzambi aku, yakuva ikisa munzi angipiti, munzo akinanga. Ça, c'est le deuxième verset. Au troisième, Kukalani nzambi zankakaye monoko. Au quatrième, Kukivangi landi kitekiko, kakifwa ni kena lekwa kena mutsulu, volekwa kena vavantoto, volekwa kena kun mulangu kunzi antotoko. Cinquième, Sobotanu, Kufukamanandi bio vosadila bioko, kadi mono yave nzambi aku, inzambi akimpala. Il vous dit la mambi, mama se. Landu mubana na teye mbandu yen tatu, ye yen ya. Muba wakumbe langa. Samba nou, lire 6. Kansi, il le vous dit langa na teye fune de zimbandu, muba wakunzo langa, ye kebanga nzimutu zami. 7, Zambodia. Kusadilani nkumbu ayave nzambi akumunga tuko. Kadi, yave kana nungisa muntu usadilanga nkumbu andi munga tuko. Nana, isabu 8. Banze lumuke lumingu, mpasi wa keba kuke longo. 9, vwa. Unasala lumbu sambanu, yesala salubyaku byabyo. 10, 10. Kanti, lumuke nzambodia, ilumingu lwa yave. Nzambi aku. Buna, kusalani saluko. Kamwana kwa bakala, vumwana kwa kendo ko. Kasilo kia kia bakala, vumwana kendo ko. Vumbulu bia kukumpe. Kanzi, kanze nzambi, ko wena yaku mungu de mielo miyaku. Kumye mwusisa vu 11. Kadi, mulungu sambanu, yave wavanga zuluye. Yavi wavanga, zulu ye ntoto, ye mbu, ye biabio bina mubiao. Kansi, wavunda, mulumbu kia nzambodia, idiao yave, wasakumuna lumbu kia lumingu, wabega kion longo. Kumyezori sabu 12, vumina saku, ye ngudi aku, mpasi wazinga lumye bingi, Munzi yine kuvana yave nzambi aku. Kumye tatu, samu 13.
kuvondaniko kumyeya somo 14 kuyanganiko 15 kulabulaniko kumyesambanu somo 16 kutani kimbangi kenufunu mumfinangani yako ko kumyesambodia 17 kuzini nani moyo munzo amfinangani yako ko kuzini nani moyo mungazi amfinangani yako ko kasielo kiandikia bakala vosielo kiandikia kendo ko kalekwa mkutu kiamfinangani yako ko. Ça c'était la condition humaine, donc les 10 commandements que notre ancêtre, notre prédécesseur avait reçu le mont Horeb. Et donc je disais tantôt que le texte de méditation est basé dans le livre d'Éphèse que notre collègue Paul avait adressé, Paul de Tarse, aux Éphésiens. Donc, toujours toutes mes excuses, hein, le mien en la langue d'Éden. Donc, verset chapitre 6, verset 11 à 14. Il est stipulé ceci, au nom de la Sainte Trinité toujours, Papa qui se réveille pour dire que nous sommes en la personne de la divinité, pour passer au Kiangani. L'ouvoata bien noanina, bien bien sonne bien zahambi. Mpasilo lenda kakila kikita kya nkandia mpemba luvwata vudiliaka luvwata bienwanina mpasi diabionzone bien zambi mpasilo lenda kakila kinkita kya nkandia mpemba 12 donc kumizole kadi beto katumwani sanga menga yensuniko kanzi bi nkuluntu yebakwa lendo yeyandi yadi myanza myatome kyaki yembeve zambi za muzulu 13 ikuma luvwata byendwani na byabyonzo byenzambi pasilwa lenda kukitabila mulumbu kyambi ye Bouleni Nunga, Telamana Kekete. Et enfin, 14, donc, Kumeya, Ikuma, le Telama. Boulukengi Kedika, Boulukengi Kedika, Valukete Tueno, Yelouvoueti, Kaku, Kalumungu, Yantulu. J'ai ainsi lu au nom de la Sainte Trinité, Papa qui se loquait, Papa Dialoumana, Papa Dengene Moutima, en la personne de la divinité, Papa Simagima, qui amène l'esprit de vérité, Dieu le Saint-Esprit. Tout ça. Ou alors, Tata qui se loquait, Lokelo, Pévo, Asse. Ou alors, Tata Dialoumana, Pévo, Moana, Fumoto Jésus-Christ, Messie. Et ou alors, Tata Dengene Moutima, Pévo, Aloudi, et moi, alors, Vérité, Simon, qui m'a dit, qui a gagné pour tout l'endo des eaux. Quoi qu'il y ait un longo, il y a tout ceci là. Kadi, veillez-vous. Il aussi si vous parlez de l'homme, Beto, mon amour, vous avez fait des yeux en l'air. Quand dit, à bien, il y a un peu de temps à mon pila. Il y a un peu de temps à mon pila. Quand c'est Beto, il y a un peu de temps à mon pila. Maman, 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 quand on a un long, on a un peu de temps à mon pila. Il y a un peu de temps à mon pila. Parce que l'homme, on a un peu de temps à mon pila. Quand il y a un long, on a un peu de temps à Le monde de nous sont toi passé de cet emballé en beauté dans tout. Tata qui manque une année, vous venez encore ma tête. T'es mis à bien le passé mon sac à l'épi, mon ami s'est malongo, c'est la question de moi, t'as l'ouvre et moi l'ouvre là, t'as 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 Amen. Au nom de la Sainte Trinité, les trois glorieux, qui, Papa qui se loquait le Père, du Fils, dit Papa Dialongana, le Christ Jésus, revenu sur terre, et le Saint-Esprit, en la personne de la divinité, nous avons l'opportunité d'aujourd'hui de pouvoir partager ce document sacré dans les textes que nous avons lus. Au départ, nous avons lu dans les livres d'Exode, la sortie des enfants d'Israël. Quand on parle de la sortie, c'est qu'il y a eu une entrée. Nous savons tous, dès qu'on l'apprend
à l'école biblique, maman Marie Mouilou Kawanga en Kamba, il est toutefois nécessaire de faire une petite exégèse de ce document-là, mais nous n'avons pas le temps approprié pour ce soir, car le temps nous est imparti, ou nous est limité. Mais c'est quoi l'exode? C'est quoi la sortie? Pourquoi le Saint-Esprit, à l'époque, quand il guidait les enfants d'Israël, avait jugé utile de donner ce texte fondamental qui soit comme un document de référence aux enfants d'Israël? On est en l'an 2015, quand les trois glorieux sont descendus sur terre pour accompagner l'action de leur père, papa Simon Kimbangu, dont parmi ces trois glorieux, donc sa divinité, papa Dengenda Kuntima, en 1985, et aujourd'hui en l'an 2015, nous célébrons une date anniversaire, une année anniversaire, que depuis papa Dengenda Kuntima avait donné la recommandation que dorénavant, là où tous mes enfants sont réunis, ils doivent nécessairement se rappeler de ce texte fondamental que moi, je qualifie très souvent de la constitution humaine. Vous remarquerez que dans toutes les sociétés bien organisées, eh bien, chaque structure organisationnelle est régie par des textes réglementaires qui leur permet de vivre en harmonie. Eh bien, moi personnellement, je dis que le corps humain est une structure composée de différentes organes. Eh bien, papa qui se loquait le père donc, le Melchizedek à l'époque de Salem, avait jugé utile en nous érigeant lui le potier, le fils papa Dialongana, Jésus, en mettant le sang et de l'eau, et papa Dialongana Koutima, donc l'esprit, son souffle qu'il a soufflé en nous pour que nous survivions aujourd'hui. Donc ils avaient jugé utile, eh bien, cette entité physique soit régie par un ordre donné. Eh bien, l'ordre, c'est ce que j'appelle, moi, les commandements, les interdits. Une intercession est dictée. Interdit, une intercession est ce qui est dit. Nous savons tous, sur terre, qui le premier a fait usage de la dictée malfaisante. Je m'explique. Vous savez, dans les cieux, cette structure organisationnelle est hiérarchisée, chacun repartit dans son rôle bien précis. Papa qui se loquait, donnait des ordres à un monsieur ou à une entité spirituelle qu'on appelle, dans les promoteurs là-bas, Lucifer, l'ange de lumière, qui était le commandant-chef de tous les autres collègues exécutant des messages du Tout-Puissant. Ce dernier, nous connaissons l'histoire, nous n'avons pas dans les détails, il avait désobéi à l'ordre de sa divinité, pas Simon Kimbangu, Kanga. Parce que nous savons tous, papa Dengen nous a bien expliqué cela, que c'est l'ordre du Saint-Esprit qui n'a pas voulu obéir, qui a fait qu'on puisse le précipiter dans le déplume. Le déplume, il avait dit, mais papa, tu me déplumes ici, mais tu me donnes, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Mais écoute, il a quand même osé dire, toi tu restes là-haut, moi je descends en bas. Bon, ça va, descends. Et là-bas, arrivé donc ici, bas sur terre, où nous sommes, il avait une certaine pratique. Papa dira, non, les cieux et la terre m'appartiennent. Je vais créer une entité qui va pouvoir gouverner cette terre. Oui, je m'excuse en langue de Molière, mais en Kikongo, c'est encore mieux. Parce que le corps, ce corps, c'est de la boue. On a façonné donc le potier. Et ce corps a des envies. Et ces envies, donc, sur terre, ça quelquefois lui crée des desiderata. Et donc, papa, le dicté, le thème, donc Lucifer qui s'appelait l'ange de lumière, quand il est sur terre, on l'appelait Satana. Donc, on l'a dénaturé. Satana, ce terme veut dire en Kikongo, Tebo. Tebo, qui veut dire dit, qui dicte. Donc, il dicta des choses
à notre ancêtre premier, dans un premier temps, son épouse, Maman Ève, et finalement, Adam aussi, suivant les dires de son épouse. Et suite à cela, le corps, l'humanité entière, connaîtra des situations désagréables qui perdurent d'ailleurs. Donc, depuis la descente de Sainte Trinité sur Terre, Papa Diamène Agotim avait jugé utile que ce corps physique soit et de quoi pouvoir être en harmonie avec lui, le Père Créateur. D'où, parce que sur Terre, les commandements, les interdits sont valables sur Terre. Kunsi. Comment on dit Kunsi. Nsi ku, Kunsi. Nsi, c'est la Terre, où nous sommes. Kunsi, donc sur Terre. Et quand tu prends le revers de la loi, les commandements, on dit Nsi ku, Kunsi. Donc c'est valable seulement sur Terre. Vous voyez? Donc c'est pourquoi j'ai dit que le corps humain a besoin d'une. a une nécessité. C'est-à-dire que c'est fondamental qu'il soit structuré ou bien régi par ce texte. Pourquoi je le dis? Nous le verrons tout de suite dans le texte que nous avons lu, dans le livre d'Éphèse, le livre de monsieur de Ptars, qu'il avait adressé aux enfants d'Éphèse. Je vais pouvoir le partager dans la langue de Molière pour avoir une certaine précision pour nous, notre auditoire. C'est ce texte-là. Moi, j'ai lu dans la langue d'Éden, la langue de la création. Mais dans la langue de Molière, la contrée où nous sommes, donc, dans la langue de la France, il est dit ceci. Si vous permettez, c'est dit ceci. On avait dit le verset, le dernier verset, chapitre, verset 11. Il est dit ceci. Tiens, eux, le titre qu'ils ont donné sur la France, ils appellent ça l'armure du chrétien. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà ce que c'est stupide en la langue de Molière, langue de Vaugelas. Ici, quand j'ai lu ce texte-là ce matin, j'ai juste pensé au premier cantique officiel de l'Église, de cette institution spirituelle qu'on appelle l'église kimonguiste, cette nouvelle civilisation. Moi, je ne me réduis pas au terme d'église, mais justement au niveau de la civilisation. Il est dit ceci. Amake Samanou, 18 mai, 1921. Amake Samanou, Guini, nous voit témoigner, nous, quoi, Yisou, nous sambouloa, nous voit témoigner, nous. Vous voyez? C'est le premier cantique inspiré. Vous connaissez un peu l'histoire des cantiques kimonguistes? À l'époque, pour pas Simon Kimbangu, le thème nous est parti, on peut rendre les détails, si on a eu d'autres occasions, on pouvait détailler. Papa Simon Kimbangu, dans ce ministère, il va voir le monsieur Jennings, le reverend Jennings qui est là-bas en tête. Il dit, mais écoutez, moi je suis votre catéchiste, bon, j'ai reçu la mission de la part du Christ, est-ce que vous pouvez me vendre, vous acheter, vendre? Il dit, mais alors, tout pompeux qu'il était orgueilleux, mais toi Kimbangu, tu dis que tu as reçu la mission du Christ, tu n'es pas à même de voir tes cantiques, et bien Papa Simon Kimbangu se retira en méditation. Et finalement, c'est là où papa Jean Mokoko avait capté ce cantique-là. Donc, c'est ce qu'a fait le combat. Ici, il nous dit que notre combat sur terre, ou bien cette guerre, ou bien cet affrontement, comme il dirait, elle n'est pas, cet affrontement n'est pas physique, c'est spirituel. Nous connaissons comment notre communauté est née ici en Europe. Papa Kisolokele est venu l'implanter ici, dans son amour majestueux. Sur le lac de Genève, ils venaient chercher nos doyens qui nous ont précédés ici. Tatamafouako. Ils allaient chercher, vous allez le voir pour voir comment il était, vous avez, pour quelles conditions, pourquoi, comment, dans quelles conditions physiquement il était. Mais il a voulu que ce soit en Europe, en France, plus particulièrement.
Et lui, il nous dit, mes enfants, vous êtes mes ambassadeurs. Les soldats bien armés du Seigneur proclamaient sa parole dans le monde entier par la gloire de son Père qui est le roi des rois. Il a triomphé du Satan. Mais comment il a triomphé le Satan? Papa Simon Kimbangu, vous avez ce qu'il a connu comme des aventures de 1921 jusqu'à ce qu'il aille dans les Lubumbashi, à Lubumbashi, où il a connu son fort, sa passion. Nous, ici en Occident, ce matin, j'ai suivi l'actualité. La République française a réuni le Conseil musulman islam, le Conseil islamique en France, pour tenir des réunions, comment pouvoir bien structurer cette institution spirituelle ici en France. Pourquoi? Parce que cette institution, les gens ont une certaine pratique qui ont tendance à vouloir créer des errata aux autres humains. Or nous, on est de la non-violence. Jamais Papa Simon Kimbangu a rendu. Il a dit à Mansana, nous avons l'obligation d'aimer notre ennemi, de ne pas le haïr. Car le haïr serait contraire à l'évangile, donc à la bonne nouvelle. Voilà comment Papa Simon Kimbangu nous explique ça. Et ici en France, où nous sommes, nous qui détenons la paix, parce que moi parfois je m'amuse, hein, là où je suis, parfois avec mon grand frère, sur 12 rue de Panama, il y a des policiers qui viennent nous visiter à la boutique. Chez Connivence, enfin, chez Saprico. Et le policier, quand il vient nous voir, il nous dit bonjour. Moi, parfois, je m'amuse à porter mon scaphandre, le passe-moi du mort. Il dit, mais vous vous appelez comment? Vous êtes quoi? Les gardiens de la paix. Mais avant d'être gardien de la paix, il faut avoir cette paix-là. Pour être gardien, il faut d'abord l'avoir. On peut être gardien de la paix si on ne l'a pas. C'est nous qui détenons la paix. La paix se détient en Kambala, dans le Jérusalem. Venez nous voir, nous. Là, vous, c'est la distraction. Venez nous voir, nous, Tata Kimbangu. En Kamba, où on détient la paix. Vous êtes gardien, mais il faut d'abord la voir. Mais la paix, là, venez voir. Kimyo yo boja li koluka, e jali nanga iki. C'est moi Kimbangu. Donc la paix que vous cherchez, c'est à moi. Papa, c'est moi Kimbangu qui est en Kamba, si vous le trouvez. Effectivement, j'ai vu le dernièrement, le 6 avril, le ministre conseiller aux ambassades, à l'ambassade des États-Unis de France. À Kinshasa, et t'allais réclamer cette paix-là. Donc, chers frères et sœurs, nous qui sommes les ambassadeurs de Simon Kimbangu, on va le tenir bientôt sur le pont. Par rapport à le document de Papa Diagne nous avait donné à l'époque, nous rappelons que Bako Simabino, nation est là-bas, montrez-nous où se trouve votre Dieu. Et donc, le combat-là que nous avons amené ici n'est pas physique. Nous devons être bien disposés spirituellement. Et c'est pourquoi je reviens donc sur le texte de la loi. Nous devons avoir cette conscience humaine en nous. La loi doit habiter. Cette conscience humaine doit habiter nous parce que, j'ai toujours dit, en tant qu'ambassadeur, on a une unité diplomatique. Moi, j'ai fait l'expérience. Vous nous connaissez. Vous me connaissez. L'expérience qu'à un moment donné, j'avais un problème de séjour ici. Mais j'ai vécu ici, j'ai mangé, j'ai travaillé. Parce que j'ai toujours dit que, en tant qu'ambassadeur, j'ai l'immunité diplomatique. C'est comme une diplomatique, c'est quoi? Bolingo. Ibeko, Bissala, Zola, Nsiku, Ibissala. C'est ça mon unité diplomatique. Je ne vais pas m'étendre. Je me résume. Par rapport à ce soir, 85, 2015, 30 ans, Papa Diagne dira à mes enfants, votre corps doit revêtir le scaphandre spirituel. Amakesa Manungini. Si vous êtes mes vaillants soldats, pour vaincre le combat qu'on a sur terre, revêtez mes textes fondamentaux de loi. Et moi, vous serez mon kilongo. Je vais habiter en vous et vous ferez des prodiges. Et donc, on va facilement alléger nos corps, on va facilement alléger notre charge, on va facilement conduire cette essence spirituelle ici. Et les Français qui vont, pour l'instant, c'est comme on dit avec la descendance ismaélique, parce que l'islam, c'est Ismaël, l'enfant adultérien. Entre Abraham et Agar. Mais nous, on est l'enfant abrahamique, la descendance abrahamique, la légitimité, la tuerie. C'est là-bas que nous sommes Esau. Esau a donné Nimrod, Mbazakong, jusqu'à présent, nous voyons, Mongoba, ou Tatakimong, ou tout qui dit. Tout cas, c'est vrai que nous sommes 21, il faut que les gens combattent avec ceux qui sont allés en train de tout est la même sur ça. Tout ça. Je suis en train de me faire un peu de temps pour que je puisse me faire un peu de temps pour que je puisse me faire un peu de temps.
Ese de tona mazulu bika kumbu wako ezitiswa. Bika mzulu wako la vanga mavantoto pebonzo mazulu. Dia kwete kwa lumbu ka lumbu, utu vana lumbu ki. Utu yambu jila mfuka zeto, bonzo beto pe, tu yambu didi, watu vidi mfuka. Kutu kwa lani mbu kumuluko, kansi utana mungu wa mbi, kadikia kumfungu, yelendo, yewisa, muna mfuka mfu, muna kumwa geseta, lakisulu kili, mwata delonga ni mwana kutila ni mwotima, itata simu mkima ukiangani, kumutu lendo desu lumbanga maonzo. Amen. Amen. Nkunga.